Philippe, qu'est-ce que pour toi l'agriculture durable ? Bah pour moi, l'agriculture durable, surtout en ce moment, c'est quand même sa capacité à répondre aux enjeux du futur, en particulier le réchauffement climatique, la baisse des ressources non renouvelables et cette capacité d'adaptation qu'elle a, quoi. Si l'agriculture manque du point de vue, a des manquements du point de vue social, elle n'est pas durable. Si elle n'est pas viable économiquement, elle n'est pas durable non plus, par définition. Donc c'est ça pour moi la définition. C'est à côté rentabilité économique, un côté humain, un côté moral et puis un côté environnement. C'est une façon de s'intégrer pour moi sur mon village et avec les autres personnes qui font le même métier, mais qui eux sont issus du territoire et pas moi. Donc c'est pour leur prouver aussi qu'une autre façon de travailler, elle est tout à fait possible. Voilà, c'est ça l'agriculture durable. C'est un lien humain et c'est un lien aussi de travail. Moi, ce qui m'intéresse dans la moyenne montagne, c'est a priori une agriculture qui est respectueuse de l'environnement, qui protège les ressources. Voilà, il y a beaucoup d'eau minérale. Et en gros, c'était caractériser cette agriculture et en quoi, justement, qu'est-ce qui faisait dans ces pratiques qu'elle était respectueuse de ces ressources, que ce soit l'eau ou la biodiversité. De pouvoir mutualiser, échanger entre groupes et aussi de faire surgir des problématiques à l'intérieur des groupes. Quand tu travailles en moyenne montagne, tu as un climat qui est complètement différent des gens qui sont en vallée, donc c'est toujours plus facile de pouvoir se regrouper, de faire un collectif. Qu'en moyenne montagne, tu as des problèmes d'isolement et bah, on en revient toujours à la même chose, c'est que quand tu as un collectif, tu as des rapports humains. Voilà, et quand tu as ces rapports humains, tu as une autre façon de travailler, une autre façon de voir l'agriculture. Et alors les CIVAM, leur spécificité, c'est quoi ? Bien, la spécificité des CIVAM, c'est la dynamique de groupe, c'est chaque paysan qui intègre un groupe et qui va découvrir de nouvelles techniques. C'est aussi la capacité de faire appel à des gens qui ont des connaissances, on parlait tout à l'heure des naturalistes, ça peut aussi être des gens qui travaillent plus spécifiquement sur l'herbe, enfin des experts dans leur domaine pour intervenir sur ces groupes et les faire aussi évoluer. Voilà, c'est tout ça. Le meilleur objectif est de retrouver l'autonomie complète, de supprimer totalement tous les achats extérieurs. C'est de supprimer ça. Après, c'est de stabiliser ça bien comme il faut et puis après ben, envisager la transmission de l'exploitation. Parce que bon, c'est au niveau de la famille, il n'y aura pas de repreneur. Et puis, j'ai pas envie que l'exploitation parte à l'agrandissement comme font toutes celles de mes voisins. J'ai trouvé cette ferme en 83 et dans des conditions assez pas de chemin d'accès, pas d'eau, pas de donc très difficile avec un âne pour monter. Ça a été assez compliqué au départ. On a fait des analyses de poils, par exemple. On a bien compris que même si on travaille en agriculture biologique, que voilà, qu'il faut quand même faire tout en prévention pour la bonne santé de nos animaux. Voilà, on fait du fromage lactique et on a aussi diversifié au niveau des fromages. Donc on fait un fromage de report, la tome, de la brousse, on fait du yaourt aussi qui rémunère très bien le lait. Le CIVAM, c'est des rencontres avec des gens qui sont issus de politiques différentes, d'agriculture différentes, donc de pensée et d'horizons différents. Et moi, je crois que c'est ce qui me plaît. Parce que justement, c'est pas fermé, parce qu'on travaille beaucoup en réseau, donc autre que CIVAM. Et c'est cette diversité que j'aime aussi. Parce que tu as des gens qui sont engagés, d'autres qui ne le sont pas, d'autres qui ont toujours été paysans, je ne connais pas le terme. Et puis d'autres, des gens qui viennent de la ville. Moi, je suis contente de sortir de ma cité et puis d'être intégrée au CIVAM. Depuis 3 ans, le réseau Agriculture Durable de Moyenne Montagne, bah, c'est des rencontres régulières, que ce soit au niveau du comité de pilotage entre animateurs et paysans ou au sein des groupes d'agriculteurs. C'est des méthodes de travail en commun, il y a un gain d'efficacité pour les structures. Une mise en lien avec les autres acteurs du développement agricole du Massif Central et puis l'intégration dans des démarches plus générales au niveau national.
de tout ce que j'ai pu entendre, un peu les interactions qu'il y a entre les politiques publiques, pour utiliser un gros mot, les consommateurs et les agriculteurs. C'est comment on arrive à un moment donné à essayer de mettre tout le monde autour de la table. Les outils incitatifs de conseil et d'accompagnement sur la partie diagnostic, je dirais, les outils financiers au travers des MAET, et après les outils réglementaires et des outils fonciers, mais là on essaye de faire évoluer dans le sens de plus d'adaptation et plus de souplesse. Parce qu'on sait très bien que dans d'autres modèles économiques, je pense en particulier dans l'économie du sous-développement, on a les deux fonctionnements qui existent, l'accompagnement très local, ou bien l'accompagnement très global, type Banque mondiale et autres, et que le lien ne se fait pas toujours aussi simplement qu'on le voudrait pour assurer un développement économique équilibré des territoires. J'étais pas très au point, ça chauffait un peu. Par contre, une appétence exceptionnelle. Pour faire ruminer les vaches, ça allait très bien. Et donc j'en ai parlé à Martial, comment on pouvait faire. Et donc c'est intéressant d'avoir des références locales, mais sans dire de tomber non plus dans les recettes. Voilà, il faut faire attention aussi à ça. Donc c'est là où il faut qu'on soit pertinent, c'est-à-dire montrer des expériences, donner des références pour que les gens trouvent de la matière locale pour alimenter leur réflexion et la transposer sur leur propre système. L'emploi, c'est quand même important, parce que là, on voit, on n'arrête pas de parler qu'on va fermer la dernière usine sidérurgique. Enfin, on parle de 800 emplois, mais en agriculture, c'est 15 000 emplois qui disparaissent tous les ans. Quoi. Donc il y a un enjeu et qui finalement n'est pas forcément éloigné de la biodiversité. Quoi. Qui font tourner les conserveries, ça crée aussi la richesse au niveau des artisans, ça fait fonctionner les artisans, ça maintient les emplois d'artisans. Et ça crée la croissance locale et qui va rester locale. Par ces recueils d'expérience, par ces remontées, c'est arriver déjà à maintenir des gens sur le territoire, hein, bon, c'est évident. Par les échanges, de savoir pourquoi quelqu'un qui a 30 vaches, je pense à Marc qui est là, arrive à très bien vivre alors que son voisin qui en a 70 et qui mange de plus en plus de terrain ne s'en sort pas. Bon, ça c'est déjà la base, hein, maintenir l'emploi déjà existant, des agriculteurs existants, et puis par ces expériences, puisqu'on en est où on est sur le développement territorial, c'est aussi permettre des installations. Ça demande une adaptation, on ne peut pas évoluer du jour au lendemain, il faut du temps, et l'avantage du réseau ADMM, c'est de déjà exister, d'être en place, donc on ne part pas de zéro, donc que dure ADMM, voilà.